Donc la société BlueMind, créée fin 2010, et le produit lancé en octobre 2012. Aujourd'hui, BlueMind, c'est 16 personnes. On a 10 recrutements en cours. Un point important, notamment par rapport à mon histoire, c'est la pérennité. Le fait de refaire une structure, d'éviter qu'il y ait soit un fork, soit un schisme dans un projet. Un point clé dans BlueMind, c'est que les 8 concepteurs du produit, les 8 architectes sont associés dans la société. Donc ce n'est pas des gens qui vont tout d'un coup partir dans un mois parce qu'on leur propose 10% de plus en termes de salaire ailleurs. C'est une équipe vraiment très experte. Ça fait plus de 10 ans que chacun fait du protocole, du CalDAV, de l'ActiveSync, de l'IMAP, des couches basses, du CIV, enfin, toutes ces briques-là. Donc c'est notre quotidien depuis 10 ans à tous les niveaux. Donc c'est vraiment une équipe qui fonctionne très bien, même sans ça, qui travaille ensemble. Mais voilà, ce qu'il faut retenir dans une société comme BlueMind qui est éditeur, c'est qu'avant tout, c'est une histoire humaine. Si ça marche, si ça se développe, le produit se développe vite, si on a beaucoup de succès, c'est avant tout une histoire d'équipe. C'est des gens qui pensent ensemble. Quand un choix est fait, tout le monde s'aligne derrière le choix et on ne va pas discuter 2 ans pour savoir « moi je voulais B, on a choisi A, donc je ne suis pas content », etc. Il y a des choses qui se tranchent, mais ensuite tout le monde est aligné avec des gens très compétents. Et donc ça donne BlueMind. Autre point clé, lorsqu'on veut faire de la R&D du produit, c'est la partie autonomie financière. Donc nous, on a traité ce point-là, parce que si vous êtes toujours en train de vous poser la question « mais comment je vais payer mes salaires demain ?», du coup, la réponse va être « oui, il faut gagner de l'argent assez vite, donc faire du service ». Pendant qu'on fait du service, on n'écrit pas un produit. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment un point clé. Donc on a fait une petite levée de fonds, on a des ventes qui ont très bien démarré, donc on est déjà autonome sur les 2 ans à venir. Et donc, ça nous apporte la sérénité pour continuer à suivre notre roadmap et pas se disperser parce que tel gros client nous dit « moi, je veux vous prendre, mais je voudrais ça, très particulier qui embarquerait toute l'équipe ou autre ». Et donc, ça, c'est vraiment très important pour justement suivre les évolutions qu'on prévoit et toute la stratégie. La stratégie, justement, qui est très claire dans BlueMind, on est éditeur open source. Le nom du produit, c'est le nom de la société. On ne peut pas faire plus simple. Chez BlueMind, on ne fait qu'une chose, on écrit un produit. On a bien compris ça. Chez nous, ça se traduit par l'industrialisation de tous les process, que ce soit en développement, donc on est en intégration continue. Chaque fois qu'un des développeurs commit, tout est rebuildé, des paquets sur toutes les distribs, tout est réinstallé automatiquement. Il y a 800 tests unitaires qui sont joués sur toutes les distribs, les tests de mise à jour ou autre. Et donc tout ceci tourne 100 fois par jour à chaque commit. Pareil en termes de tests, de commerce ou autre, notre enjeu c'est d'industrialiser tout ceci. Et ensuite c'est de travailler intelligemment avec des partenaires, donc d'avoir un modèle clair qui permet à l'éditeur de vivre en développant son produit et aux partenaires intégrateurs comme Savoir-Faire Linux de vivre en réalisant les projets, en écoutant vos besoins, vos spécificités, vous aider à déployer, à reprendre les données, former, etc., etc. Donc voilà nos points clés et stratégies. Alors BlueMind, alors très rapidement, on est très présent dans l'écosystème open source en France. Par exemple, moi je suis membre fondateur du CN2L, donc le Conseil National du Logiciel Libre, qui est l'entité qui représente l'open source en France. Plus de 350 sociétés adhérentes, 13 régions. Donc l'acteur communautaire représentatif de l'écosystème, c'est le CN2L en France. Dans une des 13 associations régionales, il y a Solibre, dont je suis président, qui est l'association des professionnels du libre du Sud-Ouest, dans lequel on va retrouver, par exemple, Méritis, qui font Centréon, des gens qui font de l'OpenERP en France, etc. On est très présent au niveau associatif, dans différents domaines, et on est la solution la plus consultée du guide open source réalisé par Smile. C'est plus de 350 solutions, les deuxièmes c'est Drupal, ensuite Typo 3, donc il y a vraiment tout dedans. Smile c'est une très grosse structure open source, c'est 800 personnes aujourd'hui, donc c'est le plus gros acteur européen, c'est un peu un rouleau compresseur. Et depuis qu'ils ont lancé ce guide, BlueMind c'est de très loin la solution la plus consultée, donc ce qui nous ravit est intéressant. En termes d'écosystème, en tant qu'éditeur, notre culture open source fait qu'on est très présent dans l'écosystème open source, on veut y rester, mais on doit aussi être très présent dans l'écosystème médiatique. Parce qu'un éditeur, ça a deux rôles, c'est écrire un bon produit, mais le faire connaître aussi. Parce que si vous avez un super produit, mais que personne ne le sait, ça ne sert à rien, en gros. Et donc, pour ça, on a eu la chance, notre histoire plaît, on est passé à la télé, on a eu des interviews, une émission dédiée à BlueMind, on est passé dans tous les principaux magazines informatiques professionnels, on a aussi des articles dans Linux Mag, enfin, dans les magazines vraiment dédiés.
Et puis, on a eu le prix de l'Innovation Award à l'Open World Forum, qui est la plus grande conférence européenne aujourd'hui sur l'open source, qui était le prix du projet open source le plus innovant de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le jury, alors on ne le voit pas trop, mais il y a du Microsoft, il y a SUSE, il y a La Poste, il y a HP, il y avait Google. Bon, c'est sérieux. Ce n'est pas l'association du coin qui récompense ses collègues, quoi. En termes de partenaires, donc je vous dis, on travaille avec des partenaires. On a aujourd'hui tout un réseau de partenaires, sachant qu'un partenaire BlueMind, ce n'est pas juste quelqu'un avec qui on se tape dans la main, on se dit « ouais, on s'entend bien ». Non, ça va au-delà, c'est-à-dire que oui, il faut qu'on s'entende bien, mais il y a aussi un aspect business. Ça doit être intéressant pour le partenaire, intéressant pour nous. Donc typiquement, il y a des coûts, il y a tout un ensemble de choses. Et ce qui est bien, c'est que ça a démarré fortement, puisqu'en France, on a... aujourd'hui, une quinzaine de partenaires avec tous les plus gros acteurs open source. Des acteurs, aussi pas mal d'acteurs qui ne sont pas du tout dits open source, des intégrateurs classiques. Et ça, c'est intéressant parce que notre rôle, c'est justement d'aller au-delà de l'écosystème open source, d'aller se confronter aux exchanges ou autres. Donc, ce n'est pas des gens qui sont dans ce périmètre-là. Et puis, en termes de cloud aussi, vous allez voir pourquoi on intéresse très fortement beaucoup d'acteurs qui sont orientés pour le cloud, dont un qui est très connu, c'est Ubuntu. On est en pilote sur leur plateforme Joujou, etc. Et puis, bien sûr, au Canada, notre partenaire est unique aujourd'hui, puisque c'est un rôle d'intégrateur et de distributeur. Donc, c'est Savoir-Faire Linux qui va s'occuper de tout ce qui est commercialisation, travaux autour de BlueMind au Canada. Donc, il nous accueille aujourd'hui et qu'on remercie encore. En France, il faut voir qu'on est dans le catalogue UGAP. Ça veut dire qu'en gros, toutes les collectivités et ministères peuvent choisir BlueMind sans passer d'appel d'offres. C'était un appel d'offres où BlueMind a été retenu. Donc ça, c'est très intéressant. On a été retenu aussi et sélectionné pour rentrer dans le catalogue du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, qui est un groupe dédié au logiciel, et du coup qui a négocié des tarifs particuliers avec nous, tenant compte un étudiant, ça ne paye pas, enfin tout un tas de choses particuliers. Et donc toutes les universités, lycées, les centres de ressources informatiques, le CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique en France, tous les INSERM, INRA, INRIA, IRD, sont des gens qui ont un accès simplifié à BlueMind et qui ont pré-choisi BlueMind. Parce que pour entrer dans ce catalogue-là, c'est X soutenance devant 40 personnes à l'autre bout de la France, filmées avec les DSI. Et ensuite, ils choisissent, quoi.